you're feeling lonely today, come along and throw your cares away. We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Alors, je vous ai manqué? Vous m'avez énormément manqué. Et je savais qu'ensemble, on allait se retrouver. Bienvenue dans la maison, dans la house de DB. Bon, je dois le dire, j'étais un mauvais homme. Oui, je sais, je le mérite. Mais faites-moi confiance, on m'a puni de manière barbare pour tous mes méfaits. Et cette partie de moi est morte. Et donc pour commencer à me racheter, j'ai décidé de m'asseoir sur ce fauteuil et de faire une vidéo. C'est parti. Le 29 août prochain sort la Négatine 2019. Alors c'est vrai que c'est une Négatine qui n'a rien à voir avec les autres visuellement, puisqu'il s'agit du sarcophage doré et c'est vraiment une très belle Négatine box. Mais contrairement aux tin box qu'on a eu précédemment, c'est pas le même contenu. Alors plus ou moins, il faut savoir que dans les précédentes tin box, c'était 4 boosters, main boosters, donc des boosters principales qui sont sortis juste avant la Mega Tin Box en question, tandis que là on en aura droit à 3 plus une extension secondaire, une extension qui est sortie en juin dernier, donc c'est le Sauveur des Ténèbres, donc on va avoir 3 main boosters plus le booster où dedans il y a eu Vampire, Merce Fourrure et bien sûr Sky Striker. En mettant les Sauveurs des Ténèbres à la place de Savage Trek, on aura des cartes qui, ben, on perd quand même au change. Clairement, dans Savage Trek, il y avait quand même quelques grosses cartes. Alors, bien sûr, ça reste quand même... ça se compte sur les doigts d'une main. Mais il y avait dedans le Pot de l'Extravagance, Fantasmé, le Dragon Charge Bourrel, et même le petit Trickstar, là, en ultra rare, la Sigu, qui était potentiellement intéressant, et c'était des cartes quand même... soit c'était des staples, soit c'était des cartes d'une grande valeur. Tandis que dans les Sauveurs des Ténèbres, eh ben, on perd quand même au change, comme je l'ai dit. Donc il y a quelques cartes qui sont intéressantes, comme Beat, Merce Fourrure, Pagaille Merce Fourrure, Engage et Encre, pour Sky Striker. Mais le problème, c'est que Engage et peut-être même Encre vont être réédités dans BLRR 3, qui sortira un mois plus tôt. Donc du coup, les cartes qui sont dans cette inbox, ce sont essentiellement des cartes qui ont déjà été rééditées entre la première impression et justement le fait qu'on ait les tin box, que ce soit Ghost Bell, que ce soit Infinite, justement là, ben, Engage, ça commence à faire pas mal de cartes qui sont rééditées. Alors je dis pas, ça reste quand même du très bon contenu, des cartes qui sont quand même recherchées, qui valent pour certaines près d'une cinquantaine d'euros, mais je trouve ça dommage, ça perd un peu de son charme. Ils sont pas fous Konami, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un booster non principal pour la première fois dedans? Tout simplement parce que les cartes qu'ils ont sorties, Sky Striker, sont des cartes qui sont encore actuellement méta malgré les banlists et un an après, ça fait toujours de très bons résultats. Et donc du coup, pour pouvoir permettre aux gens justement d'avoir cette petite hype en plus, sachant que la banlist est en juillet, donc il doit en avoir une, aller dans les coups de mi-septembre, début octobre, je pense que là, SS clairement ben, ne fonctionnera plus parce que grâce au tin box, tout le monde va avoir Engage Encre et donc tout le monde va pouvoir se faire SS à bas coût. Tout dépend forcément du taux de drop. Mais forcément, ça sera plus accessible. Et comme j'ai dit, ils ne sont pas fous parce que dans les tin box, ils rééditent les cartes les plus intéressantes de l'année qui s'était écoulée. Forcément, SS, c'est dedans. Tout comme Thunder et Danger. Mais on va le voir ça tout de suite. Cybernetic Horizon, c'est la deuxième extension qui est sortie et qui sera présente dans cette tin box. Alors, il y a un peu plus de cartes intéressantes que Flamme de la Destruction. Cependant, c'est non plus pas ouf. Dans le sens où c'est pas des staples, c'est pas non plus des cartes qui vont dans tous les decks, mais ça reste quand même des cartes qui cotent vraiment pas mal. Donc il y a du Cyber Dragon, donc de première extension où il y a eu du Cyber Dragon en support pour que le deck soit vraiment plus sympa. Il y a du Danger également, donc tout ce qui est Bigfoot, Nessie, Jackalope, donc ce sont des cartes qui actuellement coûtent encore pas mal, sachant que bah, ça ne s'est pas pris la banlist, donc tant mieux encore. Et pour finir, un petit Croisédia. Bon, Croisédia c'est pas super fort, ça a pas eu de gros support dans les extensions qui ont suivi, c'est vraiment sorti que dans Cybernetic Horizon malheureusement. Et pour finir, le dragon Borel Sword, donc pour moi je le mettrai également dans cette inbox, sachant que il est réédité un mois avant, donc dans BLRR 3,
C'est officiel, ça a été annoncé déjà depuis plusieurs mois. Donc la carte pourra être également en secret rare. Je ne connais pas les raretés, je crois que c'est des ultras et des secrets. Donc pour moi, le Boreaswar sera en secret, mais pour moi, il sortira également un mois plus tard dans les Migatines. Parce que je pense que ça reste quand même une carte à taux de drop très faible, tout simplement dans les displays. Et puis c'est un très bon argument de vente quand même cette année, cette carte. Et pour finir, Soul Fusion, c'est un booster qui n'a pas eu énormément de grosses cartes. Alors si, pour un deck, Thunder, donc forcément les cartes vont être rééditées dedans, puisque bon, c'est un peu le but des tin box de les faire vendre. Pour moi, je vois quasiment tout l'archétype réédité dedans, sachant qu'il y a deux secrets rares, et après c'est souvent quasiment que des ultra rares, sachant que dans les ultra rares, des extensions qui restent, c'est pas non plus fou. Les sauveurs des ténèbres, ce sont que des super rares et des secrets rares. Donc moi vraiment je vois la place pour le deck anti Thunder dedans. Et pour finir le petit Tsuchinoko également, qui coûte encore vraiment un bon petit prix, tout simplement parce que comme dit Danger s'est pas pris la ban list, ça fait des petits résultats, certes pas méta, mais ça peut toujours être bien sympa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cartes promo cette année, ça change un petit peu, et chaque tin box contient un des trois dieux égyptiens dans une illustration qu'on n'a pas encore. Forcément, carte promo, c'est pas tout. Nous avons encore 5 cartes parmi 14 possibles en prismatique secrète rare. Donc moi, j'ai ma petite idée. Peut-être que c'est les cartes spéciales 20 ans qui ont été annoncées début d'année au Japon. Donc je vous mets les images. Donc que ce soit Mana Auricalque, que ce soit le Red Eyes Alternative, le Blue Eyes Ultime Alternative, le Magicien Chaos Max. Je me dis peut-être que c'est des cartes justement qui vont être importées de l'OCG. Donc qui eux également en OCG sont en prismatique secrète rare. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, c'est une collection de 19 voire 20 cartes. Or, chez nous, on nous promet que 14 cartes dans cette extension. Donc je ne sais pas exactement si voilà ce que je prédis, c'est juste ou non. Mais voilà, c'est ma petite idée. Bon, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette inbox, s'il y a des cartes que vous attendez qui soit édité dedans. Pour ma part, j'attendais plus du Savage Strike qu'autre chose, parce que c'est vrai que les cartes, que ce soit du Sofu ou du Flood, donc Flamme de la Destruction, ce sont des cartes qui sont vraiment vieilles, qui ne m'intéressent plus. Donc du coup, un petit peu déçu quand même. Surtout qu'un mois avant, BLRR3 va rééditer des cartes qui sont potentiellement déjà dans la tin box. Donc comme je dis, Engage, peut-être Encre également. Il y aura également Borel Sword, donc je ne sais pas. Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en acheter? Dites-moi en commentaire si le contenu de cette inbox vous intéresse. Moi, personnellement, un mois avant, BLRR va sortir. Il y aura le Borel Sword, il y aura Engage déjà dedans. Ce sont les plus grosses cartes. Personnellement, les Infinites sont déjà sorties il y a 2 mois. Donc, à vrai dire, les plus grosses cartes qu'il y a dedans, ce sont des cartes qui ne sont pas forcément jouées dans tous les decks, ce ne sont pas des staples, et ce sont des cartes qui, clairement, ne m'intéressent pas. Forcément, je vais m'en prendre au moins une, mais clairement, le contenu qu'il y a dedans, c'est déjà dépassé, vu que ça a déjà été réédité, et ça va se faire rééditer le mois prochain. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, et puis...